Tomazo, gros manger au fruit pour remercier Guinéo parce que yo guéri maman. Mon cher, après cérémonie action de grâce ça qui était censé raffermir maman dans foi vaudois. Maman me dit si bagay ça yo te rivé li, c'est parce que li pas trop converti, eh bien li décidé vinn converti dans l'église première église baptiste du Cap Haïtien. Et c'est ainsi donc moi-même, m'poil grandi, n'est-ce pas, au confluent de trois courants religieux. Donc grand-mère moi qui vaudouisante, n'est-ce pas? Maman m'konye qui rentrait dans le protestantisme et qui obligeait, n'est-ce pas, suivre l'église. Et entre-temps, dans primaire, chez les frères de l'instruction chrétienne, m'a servi messe. Donc, vous comprenez que on grandit dans trois courants si là, yo. Et donc, on gagne deux images contradictoires dans l'esprit par rapport à vaudou. Grand-mère moins qui ont une perception très positive du vaudou parce qu'elle dit voilà que petite était malade à l'article de la mort après le mourir c'est vaudou qui guérit lui et à l'opposé de grand-mère moins maman qui était malade là qui, donc qui objet de guérison ça de la part des Guinéens de vaudois eh bien maman me dit écoutez lui-même les papes n'ont pas gagné ça ou encore les rentrer dans le protestant et donc à un moment donné faut me chercher comprendre d'où vient cette dichotomie, n'est-ce pas? Est-ce que vaudou c'est un bon bagaille, tel que grand-mère moins dit là? La preuve, c'est que c'est vaudou qui guérit maman. Est-ce que vaudou sont mauvais bagaille, tel que maman m'poil kouel et continue kouel, parce que, nan tête li, c'est parce que le pot côté dans l'évangile, que l'été vulnérable à sa ou les wanga. Donc, on grandit dans ça. Donc, m'parti, donc, m'fin fait yon licence en théologie à l'université Acadia, donc, m'ordonné pasteur. Malfon maîtrise McGill en histoire médiévale. Et puis, quand il y a arrivé pour me faire doctorat, moi, je me toujours raconter l'histoire. Ça, initialement, doctorat, moi, m'était porté, m'était compté fait li sur Heidegger, ce grand philosophe allemand, même Jean, on connaît. On voit là que, au détour de yon voyage, entre guillemets, missionnaire en Haïti, parce que, il y a un missionnaire anglais du nom de Colin Butcher, qui était gagné vision pour la construire des dispensaires, des centres de santé en Haïti. Et mission, côté m'teye, n'est-ce pas, au Canada, voyez-moi comme haïtien pour mal traduire pour missionnaire anglais, ça, Colin Butcher. Mais voilà, et ça, c'est très important. On prend avion de Montréal jusqu'à Miami pour me croiser à l'aéroport de Miami avec ce missionnaire qui a sorti en Europe, Colin Butcher, pour nous croiser Miami, et de Miami pour nous rentrer en Haïti. Mais évidemment, on croise avec un monde, on fait connaissance, et qui sont fait dans la vie, il me dit qui ça m'a fait dans la vie, il me fait 4 000 au doctorat à McGill, etc. Puis il m'a dit, sur qui ça m'a fait doctorat? Puis il me dit, ah, m'a fait doctorat sur, n'est-ce pas, Heidegger. Et puis il me répond, moi, avec yon mine que m'associe à colère, peut-être même qui gagne un peu de condescendance. Écoutez ça, monsieur Dialek, il dit, nous-mêmes noirs, nous toujours à chercher faire recherche sur bagaille l'autre peuple. Pour qui ça ne pas faire recherche sur bagaille qui pourra utile peuple nous. Mon cher, ça me les 7 gifles thérapeutiques. C'est lui-même qui pourra le faire m'intéresser à vaudou parce que me dit c'est vrai comment faire m'intéresser à Heidegger etc. Puis me bagaille qui dans tête moins tant qu'on ambivalence que me doit résoudre rapport de l'haïtien à vaudou. Mon cher, étant donné que nous t'ai bien quelque chose comme 6 heures avant le prochain vol vers Haïti, Alex, me prend un taxi, me vient dans Little Haiti, m'entrer dans la librairie Mapou, m'acheter tout livre qui était disponible dans la librairie Mapou sous vaudou. Entre autres, Dieu dans le vaudou haïtien de Lainec Urbon. Entre autres, n'est-ce pas, le vaudou haïtien de d'Alfred Metro. Et puis, depuis dans vol là, dans vol qui mène, m'a dit, forme acheter, forme commencer à comprendre à faire vaudou ça. Même peu. Parce que m'pasteur, justement, pour répondre à la question, voilà un pasteur orthodoxe, un pasteur très en vue, le ça à Montréal, le jeune pasteur 23, 24 ans, qui a appelé livre sur vaudou, qui est associé à Satan. Me dit, quête, si mon Dieu fâcha même au point que l'avion explosé, mon cher, m'tout foutu. Mais puisque moi-même, son monde qui remet risque, me dit, bon, on va prendre un risque quand même. Et si avion écrasé, le crasé, mais s'il pas crasé, je sais désormais sur qui ça m'a le fait, thèse de doctorat, moi. Mal en Haïti pour quelque chose comme 2 semaines, Alex, et au retour de voyage là, mal ouais, directeur de thèse, moi, McGill, me dit, je veux changer de sujet de thèse. Je veux faire ma thèse de doctorat désormais sur le vaudou. Saisi, parce que de Heidegger à vaudou, il n'y a pas de lien. Qu'on y a, t'es gagné, yon vaudouologue, yon spécialiste du vaudou, yon canadien, qui en plus que son vaudouologue, monsieur, c'est un psychanalyste qui était intéressé à question de parler en langue dans le vaudou, qui t'a fait quelque chose comme 18 mois de recherche en Haïti, lui-même l'y enseigné dans l'Université de Montréal, donc McGill transféré à l'Université de Montréal, et c'est ainsi, mon cher, que me fait 7 ans de recherche. Après entrer en Haïti,
à monter Princeton, n'est-ce pas, New Jersey. Ça, mon besoin de songer, c'est que Princeton, c'est une université au monde qui gagne plus de livres sous littérature haïtienne que n'importe quelle autre université. Et tout ça, c'est possible pour me lire sous vaudou dans l'université de Montréal, dans l'université de Princeton, me taper tout ça parce que me gagne rage pour me comprendre ça. Et au terme de recherche, moi, je suis convaincu, je soutenais thèse de doctorat moi en 2003, donc 15 ans plus tard, t'en passes vite Alex, m'en encore convaincu que pas gagné incompatibilité entre vaudou et foi chrétienne. Gain chrétien qui est capable de voir vaudouisant, gain vaudouisant qui est persécuté par des chrétiens, mais pas gagné incompatibilité entre la foi vaudou et la foi chrétienne. Alors, tu as dit un seul Dieu tu adoreras. Absolument, seul Dieu tu adoreras. Et mais ça gagne c'est que spiritualité, il y a une dimension culturelle aussi. Il n'y a pas, d'abord, pas une religion révélée, contrairement à ça, nous lisons dans la Bible. Toute religion qui monothéiste prétend que y'a révélée. Et avec toutes conséquences néfastes que n'a pas rien, parce que dès qu'on dit où sont religions révélées, donc ton Dieu à toi, c'est le meilleur, c'est le seul, on va l'imposer là l'autre. Donc, c'est croit ou meurt. Donc, pas une religion révélée. Vrai, toute religion, c'est le produit de yon culture, de yon peuple, de l'espace-temps, on nous dit comme ça. Et la spiritualité vaudou, c'est la même chose. C'est une spiritualité qui reflétait le rapport à l'espace de l'Africain, qui reflétait sa perception de Dieu et qui reflétait aussi, si vous voulez, cosmogonie, comment concevoir le cosmos, l'univers. C'est rien que ça. Donc, il n'est pas qu'à incompatible avec la foi chrétienne. Mais Colomb, hein, ça c'est important, dans sa tentative de dépouiller l'esclave de son être. Parce que l'esclave, c'était une res en latin, c'est la chose du maître. Et puisque l'on voit que vos doigts t'aient servi de socle, de résistance pour esclave-là, eh bien, pour lui dépouiller esclave-là de sa qui était de dignité, eh bien, faut le faire. Croyance esclave-là passer comme superstition, comme sorcellerie, comme satanisme. Et hier, nos conférences que m'tabaye, dans le Little Haiti Book Festival, montraient que la sorcellerie, c'est toujours la religion de l'autre. Le satanisme, c'est toujours la religion de l'autre. La magie noire, ce sont toujours les pratiques de l'autre. C'est jamais les miennes. Donc, c'est tout ça. Et puis, me convaincu. Et ça fait me très à l'aise. À questionnant, comment font pasteur dit du bien du vaudou? Mais parce que je dis la vérité. Moi-même, pas une âme contre la vérité. Vaudou, son spiritualité, qui pas gagné n'a envie à aucune autre. Et mettez, nous avons échangé tout à l'heure avec quelques pasteurs, à bien des égards. Et c'est pas pour provoquer, pour le dire. Il y a plus de spiritualité dans le vaudou que dans le christianisme. Le christianisme, c'est un ensemble de doctrines très cartésiennes, parfois aussi c'est de l'obscurantisme. C'est de doctrines qui... Obscurantisme. Bien sûr. Par exemple, l'ordime, un bel exemple, l'ordime Jésus, homme et Dieu. C'est de l'obscurantisme, c'est un non-sens. C'est pas vrai. L'ordime Jésus ressuscité. C'est faux, parce que c'est très intéressant en tant qu'historien, c'est pas pour rien que moi-même, dit, moi, pas seulement théologien, mais historien. Jusqu'au 4e siècle, hein, jusqu'à Constantin, l'idée de la résurrection de Jésus-Christ est minoritaire dans les courants chrétiens. Au fond, ce qui était majoritaire dans les courants chrétiens jusqu'au 4e siècle, c'était ce qu'on appelle les ébionites. Ébionitio dit tout simplement, Jésus t'est paraître mouri. Il t'est paraître ressuscité. Le verbe paraître, mais en réalité, il n'en était rien. Et toujours dit, leur comprendre culture juive, ou qu'on ça fait, ils ont postulé la résurrection de Jésus, c'est parce que Jésus n'avait pas droit à la sépulture. Soit regardez-le, le titulus, la raison pour laquelle Jésus mourit, il est mort comme blasphémateur, il est mort comme agitateur. Dans la culture juive, l'homme accusé de blasphème, tu n'as pas droit à une sépulture, on jette ton corps. Donc on ne sait pas où se trouve le corps de Jésus. Donc c'est normal que mon poignet de disciples qui dit à le ressusciter, d'ailleurs soit regardez bien. Le dimanche de Pâques dernier, nous te présentons une étude que Mounio a trouvée sur YouTube. Écrit sur YouTube, Lumière sur le monde. Et puis, vous trouvez date Pâques là, après lui. M'examiner les quatre récits soi-disant de résurrection que nous trouvons dans les quatre évangiles. Ils sont contradictoires. Soit regardez Marc, gagner deux témoins. Je résume. Mais il n'y a pas ouais Jésus ressuscité. Il y a seulement ouais on tombe au vide. Et c'est normal que mon tombe au vide parce que nous disons, dans la culture juive, quand on accusé de blasphème, son corps est jeté. Personne ne monte par contre côté quoi Jésus y est. Donc c'est ça que fait un groupe après le postulé de ressuscité. Soit comparer le récit de Marc avec le récit de Matthieu, sont l'autre bagaille. Ils n'ont pas vu Jésus, ils ont vu un jeune homme vêtu de blanc. Et là, Matthieu en met. Songez que l'évangile le plus vieux, c'est Marc. Matthieu, mais la terre tremblait, etc. Puis, si vous bien regardez, mais l'homme comparé, il y a trois contradictions.
Et c'est normal qu'il y ait trop de contradictions, parce que l'évangile de Jean écrit presque 200 ans après. L'évangile de Luc, ils ont pensé, Luc n'est même pas un disciple direct de Jésus, ils ont pensé que les écrit vers la fin de la première moitié du premier siècle. L'évangile de Marc, peut-être, et Marc n'est même pas un disciple direct de Jésus. La tradition prétend que c'est un disciple de Pierre, que le déye, donc Salta va écrire, li écrire sous, enfin, à l'instigation de Pierre. Mais soit regardez quatre récits, ça y est. Et on m'a écouté, font-il effort. Comparer ça, Marc dit, sous résurrection, comment le décrit, li, avec ça, Matthieu dit. Comparer ça, Matthieu dit, avec ça, Luc dit. Comparer ça, le dit, avec Jean, il y a trop de contradictions. Et bon principe, en droit, qu'on dit, avant de tirer en conclusion, faut éliminer tout doute raisonnable, bien trop de doute. Donc, et j'affirme que si à un moment donné, on a postulé la résurrection de Jésus, c'est parce que le corps de Jésus, dans la culture juive, puisqu'il est accusé de blasphème, fut jeté. Corps Jésus jeté. Donc, il est mort comme maudit. Et dans la loi même de Moïse, Gombaga et Mounio pas comprendre. Leur dit que lorsqu'on mourit à la croix, il est maudit, faut qu'on le parité sous croix d'ici à la fin de la journée. Ça, on dit, c'est précipiter nous. Jeter quoi à n'importe côté pour que malédiction bon Dieu apparaît pendre sous l'autre mon Dieu. Parce que quelqu'un qui est mort à la croix, c'est un maudit. Et il n'avait toute la légende de Joseph d'Arimathée qui t'avait baillé Jésus en tombeau, ça c'est faux, c'est contraire. Il suffit qu'on connaisse la culture juive, il suffit qu'on lire. Gagnez un ensemble de volumes qui fait plus que 20 volumes qui aurait le Talmud. Le Talmud, c'est un ensemble de volumes qui rassemblait les traditions juives depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ. Hein? Ça relait le Talmud babylonien. Eh bien, Talmud affirmait que l'homme on accusé de blasphème, il n'a pas le droit à la sépulture. Surtout dans le territoire d'Israël. Parce que dans le territoire d'Israël, c'est monde qui était fidèle à parole bon Dieu. Sous Baron Moun, qui était accusé de blasphème, sépulture sur le territoire d'Israël, c'est qu'on vit une complice de malédiction, on va entraîner malédiction tout sous le peuple-là. Donc Jésus, regardez, le titulatus de Jésus, c'était quoi? C'était que voici, n'est-ce pas, le roi des Juifs. Auprès que Jésus dit, non, ce n'est pas notre roi. Il s'est prétendu roi. Il s'est prétendu l'égal de Dieu. Mais c'est blasphème, ça. On n'a pas su où se trouve le corps de Jésus parce que son corps fut jeté. Aussi simple que ça. Donc il n'y a pas de résurrection. Ouais. Alors, donc justement, si pas de gain, est-ce que Jésus était le fils de Dieu. Non. Alors, sans besoin qu'on ait, ou même c'est un homme de grande culture, Alex. Il me toujours après midi, l'homme dans Rétophilo, m'a regardé Alex à la télévision, c'est un modèle pour nous. Donc, ok. Soit regardé, dans connaissance ou de la littérature antique, quand on fabrique un héros, il fabrique le toujours de la même manière. Que héros a relé Alexandre le Grand, que le relé Apollon, que le relé Jésus, c'est toujours le même paradigme, le même pattern en anglais. Le héros sera toujours fils d'un dieu et d'une femme. Si bien que Alexandre le Grand, campé devant les Macédoniens, il dit, moi, je ne suis pas fils de Philippe. Je suis fils de Zeus. Parce que, ils fabriquent un héros en prétendant qu'il descend directement d'un dieu et d'une femme. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, façon de fabriquer héros, tous les héros de l'Antiquité sont des fils de Dieu. Mais c'est la même chose de Jésus. Tous les héros de l'Antiquité sont censés avoir fait des miracles. Et dans le cas des évangiles, son véritable plagiat. Jésus ressuscité Lazare. Soit lire les légendes d'Isis et d'Osiris. Soit pour que son copie que au fait de légendes d'Isis et d'Osiris, il a appliqué à Jésus. Isis et Osiris est censé avoir ressuscité un homme du nom de Lazarus. Dans les évangiles, Lazarus devient Lazare. Isis et Osiris, ils sont censés prendre naissance dans une crèche parmi les animaux d'un dieu et d'une femme, la même chose pour Jésus. Isis, Osiris, censé marcher pour sur les eaux. Mais c'est des plagiats, c'est des copies. Parce que le Jésus des évangiles est une fabrication de Constantin. Tout le monde connaît que t'es tellement gagné divers courants dans cette secte chrétienne qui a réussi, qu'à un moment donné, au 4e siècle, l'empereur Constantin dit, il y a trop de bagailles contradictoires, on nous essaie de synthétiser. Et puis il réunit quelques mounes qui fabriquaient le Jésus que nous gagnons là. Le fait est qu'on ne sait rien de Jésus. Et même gagner des chercheurs éminents. Un chercheur comme Michel Onfray en France, un grand philosophe qui écrit d'excellents livres, les doux l'ont regardé. La Caïmre, par exemple, nous gagne 12 volumes d'évangiles que l'Église, par Jean Kipé, nous connaît. 12. Entre autres, un évangile qui affirmait, ce qui est très probable, que Jésus se serait marié. Parce que l'impossible que Jésus, comme juif au 1er siècle, pas marié, c'était une malédiction. Il n'est pas possible. Ça nous est écrit, ça n'est pas possible qu'un juif, 1er siècle, pas marié. Parce que, juif la sauté, n'est-ce pas, dans l'exil au 6e siècle, il y en a motivation, il faut justement croître et multiplier. Eh bien, à 30 ans, tout garçon, gain femme. Et possiblement, gain timoun.
mais on connaît gentil monde là, il dépend de l'autre bagaille, donc c'est impossible. Donc nous vraiment, nous tellement pas connaît bagaille sous Jésus. Et le manga des 12 tomes que m'gagne la caille moi yo, complètement moi avec le plus grand secret, l'homme fait rentrer au Canada il y a 30 ans, le manga des ça l'autre bagaille l'évangile ça yo affirmé comparé à ça que m'gagne dans les quatre évangiles synoptiques, il y a trop de contradictions, donc un chercheur qui dit on ne sait rien sur Jésus, peut-être qu'il n'a jamais existé. Alors justement, vraiment est-ce qu'il était existé? Bon dieu bagaille, si m'demande pour me parier $2, est-ce que Jésus t'est existé, m'pa parier, ça pas aucune. Et pourquoi? Non, parce que m'pa aucune certitude. Au fond, Jésus devient un placebo pour moi. Ou même ou comme ça qu'on placebo. Yon placebo c'est yon médicament qui pas une substance mais sous quoi la donne li ka guéri ou. Que Jésus ait existé ou non, je m'en fous hein, parce que ça n'a aucune importance pour moi. Aucune importance. Si Jésus t'est existé, me pensais que l'existait, me pas prêt à parier $2, il n'en tombe pas, il disparaît tant que tout le monde donc il pas une valeur le fils de Dieu, Jésus a tourné. Radote, moi m'expliquer l'idée de Jésus a tourné son idée très juive. Quitter refléter désenchantement du juif, yon contingent du juif par rapport au monde actuel. Songez que juif là vivent exil au 6e siècle, li tourné, li territoire contrôlé par des romains, vit par aucun droit. Qu'on y a, gon groupe de juifs très pratiquants, d'ailleurs c'est yon pour le créer, ça n'est des monastères, yon pour aller vivre dans le désert en fuyant le monde. Et qu'on y a, puis imaginez yon que, bon Dieu, vers la fin des temps, pour le voyer yon messie, messie pour le paraître, pour lui rétablir toutes choses. Et puisque il y a une faible minorité parmi les chrétiens qui te croient que Jésus c'est Messie, eh bien, il faut donc imaginer le retour de Jésus pour venir rétablir la gloire d'Israël. Kounier, soit maintenant enquête sur qui quantité juif qui croit qu'effectivement après le retour du Messie, capable de rétablir la gloire d'Israël, mais au minoritaire. Et l'idée de Jésus qui est Messie, qui t'a gagné pour le tourner, lui participait de courant juif ça, de courant messianique, dont Messie donc capable de gagner pour le tourner. Mais Jésus a tourné qui côté? Mais mes amis, nous sommes au 21e siècle. Lui qui côté? Dans le ciel, qui côté ciel là? Au fond d'ailleurs, dans la Bible, le ciel, ce n'est même pas un endroit, c'est un état. La preuve, c'est que Paul dit dans Éphésiens, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes avec Christ. Ben, si nous déjà assis dans les lieux célestes, c'est que nous dans le ciel déjà. Donc ciel là, c'est pas un endroit, c'est un état. Maintenant, là, nous continuons à répéter Gagot premier siècle, parce que c'est Gagot premier siècle. Moun qui peut comprendre, c'est ça qui est dans le ciel là, etc. Parce que comprendre qu'au jusqu'au premier siècle, ils ont concevoir l'univers tant qu'ils ont caille à 3 étages. Au premier étage, vous avez les êtres spirituels, Dieu, aux anges, pas vrai? Sur le rez-de-chaussée, vous avez les humains, et dans le sous-sol, dans le souterrain, c'est ce que veut dire le mot enfer, infernos en latin signifie ce qui est en dessous, dans le sous-sol vous avez les démons, les mauvais esprits. C'est exactement conception ça que nous retrouvons dans la Bible. Jésus étant fils de Dieu, remonté au premier étage, elle trouvait les anges et son père, et puis à un moment donné, là, elle retournait dans le rez-de-chaussée, vient chez nous. Mais monter dans le ciel là, ça gagne là, pas gagne là. Donc nous ne sommes pas capables de prendre cette cosmogonie à 3 étages, comme monde du 21e siècle, pour nous repasser. Soyons sérieux. Donc, non, pas bien Jésus qui a tourné, pas plus que sous dit, mais est-ce que papa qui mourit en 90 a tourné? Non, il a tourné. Jésus mourit et ça dure quand même. Ça dure. Ça dure jusqu'à présent, ça dure encore. Ah oui, Christian dit là encore. Ah oui, mais bien sûr, mais vous comprenez facilement comment. Ernst Renan, un grand historien français qui a consacré plus de 40 ans à faire recherche sur l'histoire christianisme, lui dit qu'est-ce que c'est que le christianisme sinon qu'une secte qui a réussi grâce au concours du bras politique? Christianisme a disparaître. Si Constantin n'a pas fait ce rêve très superstitieux, il vient décider que, de même que gagne un seul empire, l'empire romain, doit gagner un seul empereur, lui-même, et doit gagner un seul dieu, une seule religion. Et alors là, il enquêtait sous, à la suite d'un rêve, quelle religion gagne pour symbole, n'est-ce pas, on croit. Et en ce temps-là, et mon oublié ça, c'est mon privilège de le rappeler, le symbole du christianisme, ce n'était même pas la croix, c'était le poisson. Parce que le mot poisson en grec, c'est ictus. Et si on a décomposé chaque lettre ictus, la lettre iota, la lettre qui, la reprendre divine by Jésus, fils du Dieu sauveur. Donc c'était le poisson. Et là, il dit là, mais petite religion, petite secte juive qui gagne pour symbole aussi la croix. Puis il adopte lui. Puis désormais, il persécute tout le monde qui n'est pas identifié à religion chrétienne. Non, c'est de là que le mot païen vient. Le mot païen, paganus, signifie campagnard, paysan. Donc tout le monde qui n'a pas adopté religion, ça, il fait refouler à le vivre loin du centre urbain qui était Rome. Et puis tout l'autre monde vient adopter comme religion de la civilisation le christianisme. Donc ça a duré à cause du concours politique de l'empereur romain. Donc le christianisme, c'est une secte juive qui a réussi grâce au concours politique, c'est simple. Mais alors comment reprendre jusqu'à aujourd'hui hein? Jusqu'à aujourd'hui, ça dure encore et peut-être l'empire pays par exemple. Oui, mais parce que moi-même on l'a dit,
il y a une géopolitique de la religion. Si vous regardez les pays les plus religieux, ce sont les pays les plus pauvres, quelle que soit non-religion au passé. C'est-à-dire, si vous regardez, dans quatre mondes, vous regardez, les musulmans les plus radicaux, ce sont les plus pauvres, toujours. Mais si vous considérez le christianisme, l'avenir du christianisme, ce n'est pas en Amérique. Mounio, toi, riche pour ça. Mounio occupé de dogio, tandis que dans les pays pauvres, nous occupons de God, hein, le jeu de mots. L'avenir du christianisme, c'est dans les Amériques, c'est dans les Amériques latines, c'est pas pour rien que vous avez un pape qui sortit, n'est-ce pas, en Argentine. Et si vous regardez qui côté christianisme grandit plus, Jodia, c'est en Afrique, c'est dans les Amériques latines. Moi-même, je vis au Canada depuis bientôt 30 ans. Est-ce qu'on connaît Jodia dans les églises canadiennes, dans les églises québécoises, où il y a toujours un racisme atavique, ou qu'on qui est-ce qui prête des Africains, des Haïtiens? Ah. Donc, ah oui, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de prêtres canadiens au Québec, au Canada, il n'y en a pas. C'est-à-dire, les églises blanches sont désertées, et qui mongale dans l'église catholique au Canada, haïtien avec africain, ouais, c'est normal. Mais Canada, son cas spécial, monsieur. Oui, mais en France aussi, on aura beaucoup de cas spéciaux. Oui, en France aussi, vous connaissez. Oui. En France, français parle l'église encore. Donc, qui ça pour nous retenir, c'est que, ça c'est très important, plus on peuple à l'école, plus l'industrialisé, plus outillage li pour interpréter la vie a grandi. Et donc, a fait Jésus, bon Dieu, Satan, vin gen moins d'importance pour moi. Mais nos pays, tant qu'au Haïti, côté que moun yo pa gan rien, les gens n'ont rien sauf Jésus. Ou besoin madame, c'est Jésus. Ou besoin travail, c'est Jésus. Ou besoin l'école, c'est Jésus. Ou besoin de l'eau, c'est Jésus. Ou besoin visa, c'est Jésus. Le fait est que Jésus pa gan rien. Parce que si m'a regardé, si m'a pris un échantillon de quantité moun ka prié l'église pour les mêmes choses, pour bon Dieu bah on mari, pour bon Dieu bah on, c'est toujours on mari, hein? Pour bon Dieu bah on visa, pour bon Dieu bah on manger, pour bon Dieu bah on travail. OK, me prend échantillon ça. Me dit OK, m'a pas loué combien dans monde ça yo qui après 12 mois joignent ça yo mandé Jésus à. En réalité, ce n'est qu'une infime minorité qui relève de la loterie. En principe, il dit c'est ça Jésus voulait. Ouais, mais c'est ça Jésus voulait, mais écoutez, Jésus pas qu'avant rien mourir. Au fond, c'est facile à dire, c'est ça Jésus voulait. Soit on veut prouver que Jésus est effectif, faut me prendre 100 monde. Un échantillon aussi simple. Si Jésus tout puissant veut le faire ça, me prend 100 haïtiens. Qu'a prié pendant un an pour les mêmes choses. Qu'a prié pour visa, qu'a prié pour mon mari, qu'a prié pour joindre travail, qu'a prié pour guérir. Et puis au terme de un an, après combien de monde dans 100 monde ça yo que Jésus vraiment baili. Si yo tout joine ni, mon retourner converti. Ouais. Ce sont jouet li et Jésus c'est un placebo, son mot. Et Satan dans tout ça. Et Satan dans tout ça. Voilà, moi même qu'on poser une question, hein. Me fait que fin un livre après 7 ans de recherche. Me remettre li à mon éditeur qui a prouvé li sur Satan. Alors m'a clair, mon connon grand pile auditeur, la Bible pas enseigné Satan. A fait de l'idée d'un ange déchu, faux. Seul livre qui parle d'un ange déchu qui t'a soulevé l'autre ange, son livre apocryphe que relé l'Assomption de Moïse. Parce que Satan son fonction et Satan dans la Bible n'est jamais une mauvaise personne. La preuve, c'est que première fois la Bible utilisait Satan. D'ailleurs Satan c'est jamais le nom d'une personne. C'est jamais le nom propre, c'est toujours un nom commun qui référé à une fonction. Et puisque il y a un pile monde sérieux qui a coûté, première fois la Bible pour l'utiliser le mot Satan pour référer à un ange, ou qu'on qui ange lié l'ange de l'Éternel. Vous songez, le Balaam dans Deutéronome 22 a tenté de désobéir à Dieu pour la rencontrer roi, puis bon Dieu, la Bible dit que bon Dieu voyant ange pour lui opposer à Balaam, on connaît qui verbe qui utilisait le verbe Satan. Donc première fois Satan pour l'utiliser en référence à un ange, c'est l'ange de l'Éternel. Et on dit dans la Bible, Satan n'est jamais un mauvais gars. Satan c'est une fonction qui est attribuée à des entités spirituelles différentes et fonction ça a consisté à enquêter sur les motivations des humains pour faire rapport à Dieu. Satan is not a bad guy. Satan sont bon gars. Et pour me couronner le tout, dans le livre là montrer que Lucifer c'est Jésus. Parce que dans 1 Pierre chapitre 2 verset 20, il présente Jésus comme l'astre du matin, la brillante étoile du matin. Lorsque Saint Jérôme a traduit l'expression brillante étoile du matin, en latin, on compte qui mot l'a utilisé, Lucifer, Lucifer. Donc, le problème, c'est que plus temps passé, moins pasteur vient former, avec plus bêtises qu'a dit. Et mon cher, je suis content, le livre ça a fini et... N'a pas tourné vin lancement. Radio Méga pral au cœur de ça, puisque annonçant va le passer. N'a pas tourné vin lancement. Mami, et nous, pour parler avec le pasteur Gonel, n'a pas une conférence publique à l'église Beraka du pasteur Gonel, quelque part au mois de juin. Pas gain Satan. Satan, c'est une fonction qui est attribuée à divers anges. Bon, faut comprendre ça. Au fond, dans son fonction juridique, le terme
c'est procureur général. Ou gagne un procureur général dans le système. Qui rôle un procureur général dans le système juridique? On nous dit que un policier qui enquêtait sous Joseph et qui estimait que Joseph fait un crime, Joseph volait, Joseph whatever. Policier, il prend dossier Joseph là, il mettait dans le bureau procureur général là. Et c'est procureur général là qui l'a fait garder dossier pour décider si il y a matière à porter accusation contre Joseph parce que preuve suffisamment solide. Mais le mot Satan, c'est exactement ça. D'ailleurs, dans le livre de Job, Satan, c'est l'ami de Dieu. Satan entre dans la présence de bon Dieu. Donc, s'il est dans mauvais gars, il ne peut pas entrer. Il dit, ah oui, mais c'était avant, mais non. Son bêtise, ou pas qu'il dit, c'était avant la chute, parce que si chute Satan, ça s'est fait avant la création de l'homme, eh bien là, nous sommes dans les patates, parce que l'homme est déjà créé, puisque Job est là et toute sa famille. Bon Dieu dit, Satan, mon cher, nous avons enquêté pour moi comme procureur, moi, sous motivation Job. Est-ce que c'est vraiment un qui a servi de manière désintéressée? Donc, Satan, c'est l'ami de Dieu. Satan, c'est est au service de Dieu. D'ailleurs, on va pas l'utiliser en termes techniques. La théologie biblique est une théologie moniste. Ça veut dire qu'il y a un seul principe que n'est le bien, le bon Dieu, et le mal, c'est une privation du bien. C'est pas une entité à part. Si bien que saint Augustin, l'un des plus grands théologiens de tous les temps, 5e siècle, a dit le mal n'existe pas. Ça l'envie dit, c'est que le mal pas gagné une existence autonome. Parce que là, dans la Bible, on parle de mal ou seulement référé à une privation du bien. Or, nous-mêmes, dans l'église, nous y a, mais ça c'est pauvreté qui fait ça, oui, parce que nous obligés fabriquer yon l'ennemi, yon punching bag. Ou qu'on est, l'on a noyé, faut trouver une explication, faut trouver un bagage à pas cochon. En Haïti, on se noie, pas gagné en Haïti. Donc, faut m'expliquer pour qui ça mal comme ça. Et c'est ainsi donc que mon ancien ami, le pasteur Grégory Toussaint, qui est un démagogue, il faut le dire, mais c'est un démagogue, mais ignorant aussi de l'histoire, etc., allé en Haïti dernièrement, il organise un grand bagaille dans Satilio 14, il dit, écoutez, mais quelle arrogance, mais aussi quelle idiotie. À l'université, il y aurait les sciences du développement, pas vrai? Grégory prêchait, il prend le bail le secret du développement d'Haïti, mais le secret au singulier. Et puis, l'Elfine prêchait en 25 minutes, mais il est terrible ce démagogue. En 25 minutes, il expliquait comment Haïti a développé. L'Elfine prêchait en 25 minutes, finalement, ça que fait Haïti pour développer, c'est parce qu'il n'a pas joint Jésus. Et nous, bon président qui est aussi démagogue, mais ignorant de sa constitution, parce qu'Haïti est un État laïque, donc le chef de l'État doit être neutre, et en tant que chef de l'État, il est le garant de toutes les institutions, donc de la laïcité, il dit, mon Dieu, vine converti, parce que s'il n'a converti, pas bien malfaiteur. Mais c'est ça que me dit dans le dernier livre de paraître là, 200 ans de zombification. L'église évangélique, c'est le plus grand allié de l'État irresponsable d'Haïti. Parce que plus l'église a demandé Jésus l'argent, demandé Jésus visa, moins soit pral dit politicien ou suspend volet pour nous bailler l'école, pour nous bailler l'hôpital. Or, Grégory, dans son ignorance, mais dans sa démagogie, l'idou, à partir d'un texte de Marc, si Haïti va développer, c'est parce que nous, dans Satan, nous te font un pacte avec Lucifer. Et bien, ouais, mais comprendre? Ça participer de même mentalité. On a besoin d'un punching bag. Nous besoin fabriquons un ennemi pour nous expliquer misère, nous. Mais le fait est que la Bible pas enseigné un ange qui est l'opposé de Dieu, mais ça ne se fait pas. Parce que si nous croyons Dieu, nos systèmes monothéistes, Satan c'est un courant opposé de Dieu, mais Dieu serait complice de ça? Pas du tout. Donc la Bible n'enseigne pas Satan. Et mettez n'importe théologien au défi, puisque le livre là, après, dans fin mois, mai, on a fait un lancement en juin. N'a fait un premier lancement ou un deuxième dans l'église Beraka Pasteur Gonel qui prête à prêter à exercice. Puis n'a fait un deuxième dans le centre culturel là à Little Haiti. Et m'a metté n'importe mon au défi de venir combattre ça. En préparation, parce que n'a pas un lancement tout en Haïti, il y en a un qui a organisé lancement pour nous en Haïti. Essayer d'approcher Pasteur Grégory, puisque monsieur soutenir le contraire. Il dit, mon cher, est-ce qu'on veut un débat avec Dr Fizeme? Eh bien, monsieur Koury, parce que le connaît ses démagogies, il a dit. La Bible pas enseigné Satan. Et mettez n'importe monde qui pensait que yo kon la Bible, pas kon la Bible en français non, parce que la Bible est écrite en hébreu, en araméen et en grec, et que me connaît comme langue. Et si hébreu ou grec ou avec araméen suffisamment fort, eh bien, m'a invité au vin débattre avec moi dans une date qui pourra l'annoncer sur Radio Omega. La Bible n'enseigne pas Satan, point. Nous on peut suivre Carrefour invité jeudi, hein. C'est docteur Jean Fizeme. Docteur Fizeme, quand même, vous passez plusieurs années à étudier quand même la théologie. Maintenant, jeudi, ça veut dire, vous pensez que vous perdez du temps? Non. Au fond, il y a une étude, pas jamais on perd de temps parce que les deux comprennent mieux. On comprend autre chose que ça me cherche à comprendre. Parce que comprendre que, on nous dit, livre fondamental dont pasteur, t'as doué la Bible, que nous les paroles de Dieu, etc. Mais plus on étudie la Bible, plus on est plagiat.
plus on étudie la Bible, plus on n'a pas rien dans la Bible qui est historiquement vrai. Plus on étudie la Bible, plus on rend compte que pas rien dans la Bible qui est scientifiquement vrai. Alors, vin bay tête moi pour mission de éclairer mon yo sur le fait que la Bible c'est un instrument de colonisation, c'est un instrument d'aliénation. Est-ce que si toutefois spirituel, li cas scientifique en même temps? Non, non. Au fond, la Bible n'est même pas spirituelle. La Bible, c'est le livre d'une communauté, une communauté juive, qui, après l'exil de Babylone, t'a cherché protéger culture li à croyance li. Ça que l'autre peuple fait. C'est comme si Ndabadoula, une équipe de musulmans qui rendu compte que au contact de l'islam avec l'autre religion, eh bien l'islam a commencé à polluer avec l'autre croyance, en biochita pour écrire des choses pour protéger. Mais la Bible n'est rien d'autre que le reflet de la culture juive des 6e siècle au 1er siècle avant notre ère, c'est pas rien d'autre. Donc la Bible parole de Dieu, maintenant il n'y a pas de parole de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Majorité humaine, pas qu'on lit, à qu'écrit. Tu sais que l'écriture et la lecture, c'est affaire dans l'élite. Majorité humaine, pas qu'on lit et écrit. Et puis, bon Dieu, t'as choisi de parler dans le livre, que majorité humaine, pas qu'à accéder à lire. La Bible, les manuscrits les plus anciens de la Bible datent du 6e siècle avant notre ère. Donc, en gros, la Bible, son livre qui, on nous dit qu'il gagnait 28 siècles d'existence. Mais l'humanité est beaucoup plus vieille que ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, qu'on pas qu'être bêtise. Pour bon Dieu, tout peuple c'est petit, tout peuple c'est créature, bon Dieu a décidé qu'on peuple choisi, même comprendre? Si c'est moi comme haïtien qui t'a écrit la Bible, qui peuple qui t'a peuplé élu sous qu'on est? Qui peuple qui t'a peuplé élu comme haïtien? C'est évident, Haïti t'a peuplé élu. Ouais. Et si vous regardez, la Bible son livre très immoral. Bon Dieu promet Israël yon terre. Et puis, arrivé en Canaan, terre a déjà habité. Et puis bon Dieu dit, Josué, c'est pas grave, tu vas me les éliminer tous. Ou pas réaliser tout peuple qui identifié ou à christianisme, yo volé, yo violent. D'ailleurs, tout, ça n'est les peuples industrialisés aujourd'hui. C'est ça que Fendi dit, Grégory, c'est un ralac ou un démagogue, mais un idiot, parce qu'il dit, écoutez, yon peuple pas aller plus loin que religion. Il t'a vu montrer, puisque haïtien, croit dans vaudou, c'est normal, l'on regarde vaudou, c'est cochon, etc. Mais, si on regarde l'Amérique développée sous génocide, pas vrai? The Pilgrim Fathers rive qui ça vous fait joindre des Amérindiens qui ça le fait assassiner yo. Les Américains c'est toujours des protestants donc des chrétiens qui est-ce qui fait noir des esclaves? Oubliez que les WASP, les whites anglophones protestants, c'est yo qu'on a pan moun les Ku Klux Klan c'était pas des catholiques, c'est des monde qui était l'église protestante chaque dimanche, en puis il y a plein chez des noirs. N'oubliez que Martin Luther King assassiné en 68. L'homme dit bêtise, ça yo, comme dit, c'est parce que, et puis la montre, mais c'est des idioties. Et ça fait fort qu'il y a des mounes qui écrit pour dire, écoutez, c'est des conneries qu'on raconte là. Parce que, il y a pour raconter nous n'importe quoi comme explication à notre sous-développement. Qui ça fait nous sous-développer? Sous-développer, c'est parce qu'il y a des politiciens volés. Alors, juste là, oui. Très souvent, on dit que tout le monde qui pratique vaudou et tout pays africain qui a une culture, ça yo, il y a tout en retard. Oui. Mais l'homme dit ça, on pas fini dit tout bagaille. Et c'est là que Grégory fait exprès. Qui ça fait nous en retard? La France, le Portugal, l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique, avec bénédiction l'Église, s'il vous plaît. Yo tout, y a le volet, toute ressource qui était en Afrique, yo changé nos pays. Yo. Si on joigne l'or nos pays, après le cap de l'or. Si on joigne ivoire nos pays, après le cap, n'est-ce pas, après le cap d'ivoire, et ou bien Côte d'Ivoire. Un pays qui ça vous fait? Yo volé les ressources. Yo mette chaîne. Nan pied maman papa avec Timoun en puis au faire le travail comme esclave dans l'autre continent mais l'autre déstructuré un continent ou privé de plus de 300 millions de êtres humains à vous étonner que 200 ans plus tard nous encore pas valons donc yo pas jamais fini nous toute bagaille qui ça fait États-Unis développer aujourd'hui parce que le volet il volait bien l'autre monde il commençait voler tes amérindiens qui étaient là qui ça fait la France aujourd'hui la France vivait sur le dos de Saint-Domingue et si la France aujourd'hui a développé c'est parce que l'Italie prend 7 mois avec vous. Li mette chaîne dans pied nous, li vole terre yo, li vole ressources pays condamné nous à travailler pour yo donc mais ça fait au développer et mais ça fait en retard, vaudou, c'est pas vaudou qu'faut en retard, ou vaudou, alors ou en retard parce que les peuples chrétiens t'as le fait